Coucou tout le monde, on se retrouve toujours à Babou, hein, la Sentinelle, hein, c'est à côté de Valenciennes. Et là, je vais vous montrer la décoration. Et il y a des choses que je vais vous remontrer et il y a des nouveautés. Alors, je ne me souviens plus si je vous l'avais présenté, cette horloge. Elle est juste magnifique. Si vous recherchez une horloge qui est assez bling bling, brillant, un peu effet miroir, enfin miroir, hein, parce que le contour est tout en miroir, et pas cher surtout, et ben venez à Babou parce qu'il y a vraiment des choses sympas. Il y a 37,99€, on a cette horloge là. Je suis dégoûtée de ne pas pouvoir la sortir de l'emballage. Je l'ai vue moi comment elle était. Je l'ai vue en fait. Ah, c'est dommage. Vraiment, j'ai envie de vous la montrer, mais non, je vais pas ouvrir le carton, ça se fait pas. Mais vraiment, elle est super jolie. Hein. Vraiment, c'est le même effet. Vous voyez l'effet là, miroir tout autour, blanc avec les aiguilles gris. Donc on continue avec ce miroir, je vous l'ai montré mais je vous le remonte parce que regardez le prix, 42,99€, c'est un miroir qui est grand, il fait 60 sur 90, je pense même qu'il fait plus, hein. Je pense qu'il compte le miroir, il m'a l'air vraiment d'être beaucoup plus grand, vous voyez c'est comme si c'était du... des éclats de verre en fait sur tout le contour, il est super joli. Et voilà, vous êtes nombreuses à me demander quel genre de miroir mettre au-dessus d'un meuble de chaussures. Après, ça dépend de la largeur de votre meuble de chaussures, mais pourquoi pas, hein, si vous avez une entrée tout de suite. Je trouve que donner une entrée lumineuse tout de suite, ça, je trouve que ça c'est joli, j'aime beaucoup. Et puis une entrée en fait, un miroir, ça agrandit aussi une pièce, donc pourquoi pas, hein, au-dessus d'un meuble de chaussures, ce genre de miroir qui est pas cher et en plus très joli. Après, on a un miroir comme celui-là, donc qui reste assez simple, mais pareil, hein, ce genre de miroir, j'aime beaucoup. Le contour est en bois blanc et il est à 39,99€. J'essaye de regarder la taille, pareil, c'est une taille qui fait 60 sur 92. Alors là, je vous montre un autre miroir style biseauté, super joli en verre. Vous voyez, miroir, hein, tout autour, c'est total miroir. Il fait pareil, hein, c'est les mêmes dimensions que tous ces miroirs là. Alors là, il est dans le même rayon que celui que je vous ai montré en bois en fait, hein, celui qui est en bois, il est là. Ils étaient derrière, il y a plein de modèles différents, c'est pour ça que j'ai retiré. Et c'est écrit 39,99€, est-ce que c'est le bon prix? Je sais pas, je pense que oui. Hein. Je pense que oui, parce que si c'est ce prix-là, il vaut vraiment le coup. Hein. On a celui-là. Mais il y a un autre miroir, hein, que voilà, faut absolument que je vous montre, c'est celui-là. Il est super joli. Donc pareil, un biseauté. Et vous voyez, il y a des petits détails dorés. Je ne sais pas si vous le voyez. Il est super joli, hein, ce genre de miroir. Moi, je le verrais bien dans une entrée, même dans un salon, dans un buffet, enfin, comme vous voulez. Après, pour toutes les personnes qui cherchent les miroirs plutôt ronds, hein, dans le même esprit, on a ce modèle-là. On a ce modèle-là, rond. Regardez comment il est. Il est super joli, pareil. Hein, à 24,99€. Alors, sinon... après les miroirs carrés et ronds, on a les modèles, hein, même style, un biseauté carré à 12€. Alors celui-là pour moi c'est le top du top, vraiment une très bonne affaire si vous recherchez un miroir pas cher. En plus, vous voyez, vous pouvez en mettre plusieurs, hein. Vous n'êtes pas obligé d'en mettre qu'un seul. Si vous avez un grand meuble et puis vous voulez occuper tout l'espace au-dessus du meuble, pourquoi pas en mettre un, deux ou trois. Voilà, à ce prix-là, à 12€, il fait 65 sur 56. Ensuite, on a ce modèle-là, c'est le modèle blush, doré, rose un peu poudré, à 9,99€, hein, il fait 40 sur 50. Et on a ce modèle là, simple aussi, ça j'aime beaucoup celui-là. Celui-là, il est à 9,99€. Vraiment, il y a de belles choses. Hein. Donc, je vous avais montré cette horloge que je trouve simplement magnifique. Mais regardez, il y en a une autre, si vous recherchez un peu dans le même esprit, à 12,99€. Un autre miroir, un style baroque, hein, pareil. Alors, il existe en argenté, en noir et en blanc. Il fait, c'est marqué vintage. Il fait 63 sur 73.
Il est joli, hein, celui-là. Au-dessus d'une cheminée, je sais plus. Il y a quelqu'un qui m'avait demandé quel genre de miroir mettre au-dessus d'une cheminée. Ben, pourquoi pas ce miroir-là? Parce que ça fait un peu style aussi haussmannien, ce qu'on retrouve dans les bâtiments haussmanniens. 19,99. Alors là, je vais vous montrer voilà, le miroir que je recherchais. Mais il y a un souci en fait, ce miroir. C'est un miroir à accrocher. Et moi, c'est pas ce que je voulais. Hein. C'est vraiment un miroir avec, comment on appelle ça? Je me souviens plus, je perds mes mots. Donc il existe en argenté et en blanc. Moi, je voulais en blanc. Je l'avais vu. Hein. Moi, je voulais avec le support. Vous voyez, le miroir, pas besoin de l'accrocher en fait, avec le support, avec les pieds. Voilà, j'espère que, je sais pas si vous m'avez compris, je pense. Donc celui-là, il est pas cher, il est à 19,99. Un autre miroir rond que j'avais pas vu, c'est celui-là, à 24,99. Il fait 60 cm de diamètre, pareil, hein, le contour effet miroir. C'est pas effet miroir, c'est qu'il est miroir, à 24,99. Après, pour celles qui recherchent des miroirs, hein, plutôt style baroque, alors le contour c'est pas du bois, c'est du plastique. On a celui-là, alors ils sont pas chers, ils sont à, alors ça c'est pas le prix, hein. Celui-là c'est le prix du miroir avec les ampoules autour, vous voyez, le miroir style maquillage. Celui-là, je pense que la place, ça doit être là, je pense. Non, je trouve pas en fait le miroir, le prix du miroir un peu plus grand. Mais voilà, il y en a un autre d'une autre taille, plus petit, il fait 39/50 à 5,99. Mais comme je vous dis, c'est dans le même esprit, donc ça doit être un peu plus cher que celui-là. Alors on continue, hein, après les miroirs. Je vais vous montrer quelques luminaires que je trouve assez jolis. Et pareil, au niveau des prix, c'est vraiment raisonnable. C'est un peu ce que je vous ai montré, hein, ce matin. Alors, mais beaucoup plus grand, hein, mais vraiment beaucoup, beaucoup plus grand. Il y a deux modèles, il y a ce modèle-là au niveau du pied et ce modèle-là. Et sinon, l'abat-jour, bah, il est simple, après à vous de choisir celui qui correspond à la déco de votre pièce. Ils sont à 19,99€ ceux-là. Et je vous l'avais déjà, hein, proposé, hein, comme idée, de prendre en fait ce pied. Si vous recherchez un pied et que le l'abat-jour vous correspond pas, hein, ou correspond pas à la déco, pourquoi pas modifier en fait un l'abat-jour, parce qu'ils en vendent également ici. Et on a un modèle qui est assez joli ici, j'aime beaucoup. Et pourquoi pas le joindre avec, vous voyez, avec celui-là. Alors je sais pas si vous voyez ce que ça donne, mais ça peut, voilà, ça peut faire super sympa. Et voilà, juste pour vous dire que n'hésitez pas à jouer aussi, hein, avec les pieds de lampe et de choisir l'abat-jour, bah, qui correspond plus au style que vous recherchez. Il y a pas mal de modèles. Il y a un modèle que j'aime beaucoup, hein. C'est un modèle que j'avais déjà montré et c'est celui-là. Le haut est en velours, cette partie-là est en velours. Là, les contours sont dorés, le pied est tout simple doré. Vraiment super joli. Regardez, il existe également en vert. Alors, il y a vert émeraude et puis il y a bleu. Et le prix est de 19,99€. Alors on continue avec la déco, mais la déco ça va être assez rapide parce qu'il y a beaucoup de choses que je vous avais déjà montrées. Mais j'ai envie de vous remontrer en fait ces plateaux, hein, que je trouve simplement magnifiques. Ce genre de plateau, de toute façon j'adore. Regardez, 9,99€, en plus ils sont vraiment pas chers. Il y a ce modèle là, mais il y a également celui là à 12,99€ qui est hexagonal. Alors là on retrouve, hein, le plateau. Vous voyez le style de plateau que je vous ai montré. Alors je sais pas. Plateau. Alors c'est marrant parce que j'arrive jamais à trouver le prix de ces plateaux là carrés. Alors on passe à la déco là, Love à 4,99€. Ce joli photophore avec un cercle doré aussi, c'est pas mal, on en voit beaucoup à 3,99€. J'aime beaucoup aussi ça, Love à 2,99€. Ce genre de choses, vous pouvez le faire, hein, vous-même avec des petites billes, des petites perles, enfin ce que vous voulez sur un miroir, ça peut être sympa. 2,99€. On a cette déco, voilà, un soliflore structure métal doré à 3,99€. On a des petites décos murales, hein, écrit Dream Welcome à 2,49€, hein, c'est du bois. Voilà, après le restant, je pense que je vous les avais montrés, hein. Je vous montrais quand même pas mal de choses. C'est ça que je trouve super joli, super canon. Franchement, il est magnifique. C'est un bougeoir doré, donc un peu effet cristal sur le haut. La structure est en doré.
à 6,99 €. Vraiment magnifique. Donc voilà pour le tour. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite.